Et bonsoir, bonsoir à tous, nous sommes le mercredi évidemment, c'est le stream sur Starfield, bien évidemment, où nous allons donc du coup ce soir tranquillement faire donc du coup notre base sur Terre, alors plus précisément continuer notre base sur Terre, parce que souvenez-vous dans les divers streams qu'on a fait, on avait donc du coup commencé notre petit avant-poste, et on avait fait plusieurs mines à travers l'espace. On avait fait une mine de fer et une mine d'aluminium. Ces deux mines, avec donc du coup des transports, ramènent donc les ressources sur Terre. On a normalement, là on va avoir sans doute énormément de fer, énormément d'aluminium. On a également donc du coup fait une plateforme d'atterrissage pour notre vaisseau. Et on a donc du coup notre petit avant-poste. L'objectif est donc de terminer plus ou moins notre avant-poste. D'avoir en tout cas les salles qu'on aimerait, etc. De remplir les salles les plus importantes, notamment la salle des coffres, où je veux mettre en fait des coffres, des présentoirs à armes, etc. Pour qu'on puisse mettre en fait les armes qu'on veut garder, mais pas les garder dans le vaisseau. Parce que sinon, au bout d'un moment, on est limite niveau place. Donc tout ce qu'on veut garder comme ça, ça sera sur Terre, dans notre avant-poste. Et évidemment de pouvoir poser l'armillaire. L'armillaire qui est l'outil qu'utilisait Constellation pour pouvoir mettre les différents artefacts. Tant qu'on n'a pas posé l'armillaire, on ne peut pas continuer la quête principale. Donc, à la fin du stream, ou peut-être au début du stream de vendredi, on posera l'armillaire et on fera la quête et tout ça. Parce que je pense que on va se faire attaquer. En fait, dès qu'on va poser l'armillaire, on risque de se faire attaquer. Donc, il faut se protéger. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un avant-poste qui soit assez conséquent au niveau défense. Donc, on verra bien. Je vais donc, du coup, vous mettre le jeu, bien évidemment. Et on va évidemment couper la musique de Stellaris, qui va très bien avec Starfield. Et on va mettre le son du jeu. Et on va continuer tranquillement. Juste voir si le son est bien, mais normalement oui. Donc oui, on est niveau 25, évidemment, on a bien avancé à ce niveau-là. Mais donc du coup, normalement, à chaque fin de stream, on est de toute façon sur Terre. Donc là, on va prendre vraiment un petit peu notre temps, entre guillemets. On va prendre vraiment le temps du stream pour faire tout ce qu'on a à faire à ce niveau-là. Donc, il fait nuit ? Il fait nuit. Il fait nuit, donc... Ah oui, c'est vrai que je tousse, j'avais oublié ce détail. Non. Allons voir un petit peu déjà le laboratoire de recherche, s'il n'y en a pas des trucs à améliorer. Notamment dans avant-poste, est-ce qu'on a des trucs à changer? Fibre, on n'en a pas. Robot niveau 1, c'était fait. Robot niveau 2, c'est verrouillé, parce que ça a besoin de ingénierie d'avant-poste rang 1. Ah bah oui, du coup, il y a plein de trucs oui, qu'on peut pas faire parce qu'on a besoin d'ingénierie d'avant-poste rang 1 qui est en fait un statut, une compétence en fait qu'on a ici normalement. Ça serait dans... Ça c'est pour tout ce qui est vaisseau. Ça serait dans science du coup. Ingénierie d'avant-poste. Ah oui, donc c'est là. Ah oui, quand même. Ok. Ou sinon, il faut avoir quelqu'un du coup qui soit... qui soit dans notre avant-poste, quoi. Comment on a l'avant-poste? Je crois que c'est là qu'on a l'équipage, oui. Avant-poste actuel. On a Heller, Lynn et le mini-robot d'assainissement. Ah non, il est dans la mine d'aluminium. Ah, mais lui, il a ingénierie d'avant-poste niveau 1. Ouais, parce qu'elle a ingénierie... Bah, c'est bizarre, parce que du coup, elle a ingénierie d'avant-poste niveau 3. Et du coup, comment ça se fait qu'on l'a pas, nous? Ou alors, c'est on peut pas... Il faut faire 1, 2, 3 du coup. Après, si le fait de faire un robot... C'est notre mine d'aluminium qui arrive. Même pas, c'est notre mine de fer, lui. Ah oui, on a 327 de fer, 207 d'hélium 3. Alors oui, parce qu'il nous ramène de l'hélium 3 aussi. C'est vrai. Du coup. Ah oui, faire ça pendant la sauvegarde automatique, c'est peut-être pas ce qui est... Ce
qui est prévu. Alors, du coup, on va se mettre en mode avant-poste. On va se mettre en mode aperçu. Ah oui, à la base, on devait faire ça. Le conteneur de transfert. C'est vrai. On devait faire ça à la base. Mais du coup, c'est très moche de le mettre comme ça. Donc, on verra bien. Mini-robot d'assainissement, c'était les ressources minérales. Sauf qu'en fait, on n'en a pas. Après, on peut faire un robot ingénieur. Ça améliore la vitesse de production des objets fabriqués. Après, c'est vrai que pour l'instant, les objets fabriqués, on s'en fiche un petit peu. Bon. En tout cas, l'idée. Amplificateur de scan, il faut du cuivre, liaison interstellaire, salle d'équipage, air d'un tableau d'émission, ok, d'accord. L'armillaire, du coup, extracteur de vapeur d'eau. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas. On n'a pas fait ça, du coup. Extracteur de vapeur d'eau. C'est le chlore, on l'a fait. Et on en a un là, du coup, d'extracteur de chlore. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'extracteur de vapeur d'eau. C'est vrai. L'énergie, bah ça, le générateur, faudra qu'on le mette. Et on peut le mettre. Donc, autant le mettre tout de suite. Après, il sera connecté à rien. Donc, en vrai. Faut juste qu'on garde du tungstène et tout ça. Donc, nous, ce qu'on voulait faire à la base de la base, c'était, dans tous les cas, ça c'est quoi? Pourquoi je peux le changer? Variant W et T. Ah oui, c'est parce que c'était avec un truc. Ouais. Du coup, ce qu'on voulait, c'était. Ici, là, en bas, on avait donc du coup notre. Je vais baisser le son de mon côté. Du coup, ce qu'on avait ici, c'était notre salle des coffres qui était en bas. Normalement, c'était ça. Ce qui était ici, c'était la salle des coffres. Ensuite, là, donc du coup, en haut, on avait. Donc, bon, on se mettait. Ici, là, c'était sans doute mes quartiers. Et en fait, on voulait mettre ici on voulait mettre ici un couloir à la base. Là. On voulait mettre ici un couloir. Pour mettre en fait une tourelle dans le renfoncement. Quoi d'un objet existant? Ah oui, il croise le truc comme ça. Du coup, on peut pas le mettre. Ah si? Non? Si? Non. En fait, on voulait mettre un couloir ici pour pouvoir. Est-ce que je peux pas mettre un truc ici? Non, ouais, vu qu'on a ça. Ou alors, faudrait mettre l'habitation militaire. L'habitation militaire, oui, elle peut aller au-dessus, forcément, parce que c'est de toute façon le truc. Du coup, si je mets un couloir. Mince. Si je mets un couloir militaire. Ah non, couloir militaire, ça passe pas. Ça passe quand même pas, du coup. Bah du coup, on va voir pour une habitation. Habitation militaire de nouveau. Si on se met comme ça. Faut voir en fait ce qu'on peut faire. Parce que là, c'est l'escalier. Ce qu'on a ici, c'est l'escalier. Donc quand on arrive, l'escalier est comme ça de toute façon. De ce côté-là, on a donc du coup sans doute mes quartiers. À moins qu'on mette ouais. À moins qu'on mette l'armillaire ici. Faut qu'on aille voir. On aille voir. On aille voir. Ça, c'est déjà le premier truc en fait qu'il faut faire. C'est déjà ça, du coup. Ah oui, non, d'accord. L'escalier est comme ça. Donc on arrive là. Ok. Bah, en vrai, oui, je pourrais mettre une tourelle ici dans le coin, en fait. Si je mets une tourelle dans le coin, ou alors dans ce coin-là. Et voilà. Parce que ici, du coup, admettons que c'est mes quartiers, ici. Au pire, oui, on peut mettre l'armillaire là. Et là, on mettrait autre chose.
Parce qu'au pire, donc là, c'est la salle des coffres. Donc là, il y aura les présentoirs, avec les mannequins ici, les présentoirs à armes là. Ok. Ensuite, pardon Andrea. Admettons qu'on veut nous piquer l'arme Hilaire, parce que c'est ça aussi qu'il faut penser. Si on veut nous piquer l'arme Hilaire, du coup, faudrait faire ça. Bon, là, il y aurait mes quartiers. Ici, il y aurait mon lit et tout ça. Tout ça, tout ça. On va préparer peut-être déjà le truc. Est-ce que je peux changer de là ou pas? Ah, voilà, changer. Mettre pas mal de trucs. Du coup, si là je mets une. Là je peux mettre une habitation militaire, du coup. Là je peux mettre une habitation militaire. Et au pire, on mettrait l'arme Hilaire dedans. Et on mettrait l'arme Hilaire dedans, du coup. Au pire. Du coup, ça fait que là, est-ce que là je peux mettre peut-être une habitation de base ici? Ah mais si, je sais ce qu'on va mettre là. C'est vrai. Ici, on devait mettre, c'était tout ce qui était fabrication. Je m'en souviens. Là, c'est tout ce qui est fabrication. C'est comme ça, ici, on aurait les coffres et en face, on aurait les trucs de fabrication. Et donc, du coup, ici. Il chevauche le joueur. Ici, il faut voir ce qu'on peut faire. Ressources manquantes. Ah oui, donc ça, du coup, non. Par contre, on peut faire un couloir ici. J'avoue. C'est vrai qu'on peut faire un couloir là. Est-ce que, du coup, je peux sortir une tourelle? Oui. Voilà. Ça, t'as Jean-Michel qui arrive ici. Tout, 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 tout. Voilà. Ça, why not? Ensuite. Parce que du coup, là, j'ai mon laboratoire pharmaceutique. J'en ai pas fait un de laboratoire. Ah si, j'en ai déjà fait un. Il est là. Parce que du coup, moi, dans mon idée, c'est que ça, au pire, maintenant, on le met dans cette salle-là. Et là, en fait, il y aurait tout ce qui est établi, tout ce qui est truc à fabriquer. Labo de recherche. Et du coup. Non. Pousse-toi. Là, en fait, ici, c'est du coup le baraquement pour tout le monde. Là, on aurait la station d'équipage où les gens peuvent se mettre ici tranquillement. Là, on aurait un autre bureau, je pense, là. On mettrait peut-être un peu plus de trucs de détente, en fait, ici. Ça serait vraiment la pièce de vie. Et du coup, on arrive là et on a ça. Bon, je vois la limite de fabrication, mais je suis sûr que ça peut sauter avec des mods. Sûr et certain. Hop. Du coup, retournons en mode fabrication, voyons ce qu'on peut faire déjà à ce niveau-là. Alors, vitrine, mannequin, on peut plus en faire. Affichage de la tablette. Présentoir pour casque, oui. Présentoir à armes. Alors ça, du coup, on va en mettre. On peut en mettre combien? Ah oui, soit on le met en vert, du coup. Soit on le met comme ça. Bah, on va peut-être le mettre comme ça. Ensuite, là, il y en a un deuxième. Mais c'est si on veut en mettre uniquement une arme ici. On a des mallettes d'armes ensuite. Bon, ça, c'est pas trop grave. Donc, ça, c'est bon. Ça, faudra le mettre après. Locateur simple. Ok. Ok. Bon, déjà, on a déjà ça. Donc là-dessus, est-ce que j'ai des armes que je m'en fiche, mais que je veux garder?
C'est vrai que lui, pourquoi pas? Le tempête, ouais, je le gardais au cas où. Ça, on va le mettre aussi. Ça, c'est parce que je voulais les donner aux autres, ça. Niveau du Twingo, qu'est-ce qu'on avait? On avait le Magpulse qu'on pouvait mettre. On peut pas stocker cet objet ici. Eon non plus. Oui, parce que du coup, il y a déjà plus de place. On est bien d'accord, puis voilà. Niveau du Twingo, on va mettre le Magpulse du coup. Ça, du coup, on a déjà ça. Et oui, je voulais leur donner des armes en fait. Salut, vous avez besoin de moi? Ouais, je peux vous prendre quelques... Parce que lui, je lui avais donné quoi? Ouais, je lui avais donné ça. Inventaire. Je vais lui donner ça, lui. Enfin, déjà, J'espère que je vous manque il pas. aura plus, plus d'armes, comme ça, il aura plus de munitions. Ok, donc qu'est-ce qui nous manque du coup maintenant pour pouvoir construire un petit peu plus? Parce que du coup là dans la caisse de stockage, qu'est-ce qu'on voulait mettre? Parce que les combinaisons que j'utilise pas, ces trois-là, j'aurais aimé les mettre sur un présentoir. Soit je peux la mettre là. J'en ai deux. Il y a déjà tout ça de mi dans divers. Oui, bon, ça sera à vendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les casques, pareil, ouais. Ce casque-là, j'aimerais bien le garder, mais le garder sous verre. Là, on va dire que j'ai mis que de les tenues. Dans celui-là, on va voir si on peut pas mettre d'autres choses. Ouais, j'ai des tenues qui venaient de. Qui étaient dans le Twingo. Voilà, bon, on va dire que ça, c'est que des tenues. Du coup, on va essayer d'en faire d'autres. Faire d'autres trucs. D'autres coffres. Parce que là, du coup, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est là-dedans. Vitrine. Il faut des structures. Mais je crois que les structures, on peut les faire. Ouais, pareil, là il faut du cuivre. Le cuivre, je crois qu'on n'a pas de mine, oui, de cuivre. Boîte de stockage, c'est des structures qu'il faut. J'avais pas fait de. Ah oui, non, de trucs de fabrication, parce que les trucs de fabrication, voilà, faut lui dire quoi fabriquer. Et ça se met pas dans un bloc. Câble 0, Sato, polytextile, monopropère gold, réservoir magnétique, aimant isocentré, relais de communication, structure adaptative, ouais, donc du coup, T. Je crois que de toute façon, on peut le faire nous-mêmes, non? Structure adaptative, voilà. Dans 50. Du coup, ensuite. Hop, hop. Alors. Ah non, c'est des structures tout court, c'est pas des structures adaptatives. Structures et pigments. Je savais même pas que j'avais des pigments. Des structures, mais du coup pour. Ah bah je peux le bouger lui. Ah, j'avais pas un. Je crois que j'avais un truc à faire. Créer des trucs, bidule. Antibiotiques.
Ah, mais c'est vrai que je pourrais faire ici en fait pareil, une caisse où je mettrais les médicaments et tout ça. Bon, du coup, vu qu'on a besoin, est-ce que je peux le faire tout de suite? Est-ce que je peux le faire en fait? Vu qu'on a besoin quand même d'énergie, on va se mettre notre truc là. Se remettre une éolienne aussi. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. On va se remettre une éolienne. Ça pourra toujours servir. Par contre, est-ce qu'il faut, il faut lui dire où est-ce que... Câble, ouais. Alors, le problème... Une liaison d'énergie. Ah non, c'est pour créer une liaison d'énergie. Bah non, ça du coup, on n'en a pas besoin. Ah, quoique si, si je fais ça, ça veut dire qu'il va fonctionner. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, je veux en fait pas qu'il. Pas si je sais pas, j'ai fait ça, mais je sais pas si ça aide. Parce que du coup, de l'hélium 3, on en a là. Mais est-ce que du coup, il peut ne pas les utiliser? S'il me faut un. C'est peut-être pas utilisable tout de suite. Du coup, il me faudra un entrepôt à gaz pour pouvoir mettre l'hélium 3 dedans. Mais du coup, il me faut du tungstène. Du coup, il me faut du tungstène et du cuivre. Alors. Il me faut du tungstène et du cuivre. On va regarder où est-ce qu'on peut avoir ça. Ah, par contre, avant, j'ai un truc à regarder. Bah oui, on a toujours trop de trucs. Attendez. Alors. Oui, j'ai pris une tenue que je voulais pas à la base. On a trop de trucs. On va retirer tout ce qu'on n'a pas besoin. On les récupérera plus tard pour mieux les mettre. 254, mais qu'est-ce que j'ai de trop? C'est vrai que ça, j'en ai plein. On va les stocker. Ok, conteneur à son maximum. Bon, déjà. Ok. C'est déjà ça. Le fer arrive. Que du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc pour l'hélium. Comme ça, on va décharger l'hélium qui est là pour le mettre dans ce fameux truc. Et ensuite, l'hélium qui est dans ce truc servira pour alimenter lui. Parce que j'ai l'impression que lui, il repart pas parce qu'en fait, il n'a pas assez de, il a pas assez d'hélium. J'ai l'impression. Et du coup, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que. On va aussi alimenter du coup le générateur.
Mais avant ça, mais donc, il faut qu'on voit où est-ce qu'on a du cuivre. Parce qu'il nous faut du cuivre. Là, on a du fer. Du fer et de l'hélium. Donc ça, c'est notre fameuse mine. Fer, hélium. Eau et chlore. Chlore et machin. Sur Neptune, on a déjà analysé, il n'y a que dalle. Nickel et cobalt. Non. Sur Titan, il y a du plomb et du W, je ne sais plus ce que c'est. On a du cuivre et du fluor, le F. Est-ce qu'on a besoin de cuivre et de... Je ne sais déjà plus. C'est cuivre et titane, je crois, c'est ça. Hein. Et tungstène. Ah, W. Ah, c'est donc ça. Alors, on a besoin de Cu et on en a besoin de 6 au minimum. Et du W. Et du W, on en a besoin. Allez, on va compter 5, c'est pas grave. Alors, il faudrait une planète où il y a du cuivre et du W. Donc là, j'avais Encelade, c'était de l'argon. Non, de l'argent, pardon. Cuivre, F. Argent, du coup. Pourquoi j'ai dit argon? Non, c'est ça. AR, c'est de l'argon. AG, c'est du. C'est de l'argent. Nickel, non. Là, on en a, en fait. Sur Titan, on en a. Sur Titan, il y a du W, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de cuivre. Sur Pluton, il y a du W, mais il n'y a pas de cuivre. Et Charon, du coup, il y a du cuivre. Bah, après, on peut faire un petit peu de W, et après, on va sur Charon. Au pire. On peut faire ça. Ah! J'avais pas réparé la coque. Non mais là, c'est de ma peau, c'est de ma faute. C'est un petit peu de ma faute. J'aimerais juste en fait le... Je vais juste récupérer ce que je peux. Parce que je pourrais leur demander de me réparer le vaisseau, mais on risque de d'avoir des pièces de vaisseau déjà là, donc... Plus du tungstène. On répare notre Twingo un petit peu, parce que c'est vrai qu'on l'a pas réparé. Je trouve bien comme ça. Bon, malgré la fumée, hein, mais je le trouve bien. On a des débris de vaisseau. Bon, on va scanner déjà tout ça. Vraiment extrême. Alors là, on a de l'eau et du plomb. Ah, on n'a pas de tungstène sur la surface de la Terre, en tout cas. Enfin, sur la surface de la planète. Donc ça doit être uniquement dans des grottes. On va aller voir. On va aller voir. On va en profiter pour aller voir les débris de vaisseau. Notre planète sans écosystème. Dans ce cas, seuls d'autres visiteurs pourraient nous inquiéter. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du tungstène, formidable. Oh, tungstène et titane. Ah. Comme quoi, on n'a pas eu besoin
de trop s'embêter. Là-bas, il y a une sorte de base. On va aller voir déjà ici. Oh, une étoile rouge. Ah oui, ça, c'est autre chose que les gens avaient râlé aussi. Et c'est les gens, en fait, qui pensent que Starfield, c'est Star Citizen, quoi. Évidemment, oui, les étoiles que vous voyez là, oui, vous pouvez pas y aller, entre guillemets. Vous voyez pas con, c'est un JPEG. Hein. Parce que oui, dans Starfield, dans Star Citizen, oui, théoriquement, l'étoile que vous voyez dans le ciel, vous pouvez l'atteindre, etc. Là, c'est un JPEG. Hein. Apporter les preuves au lieutenant Toft. Bah, on n'avait pas fini la mission. Charge de preuve. Oh bah. On ira lui donner les preuves plus tard, du coup. Ah, de l'eau. Donc on a tout analysé. Ah oui, du coup, on va passer au niveau parce que on doit normalement récolter des ressources pour valider notre niveau. C'est un joli vaisseau du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Toujours allumé. Simulant, ouais. Ok. Fait 10 pièces de vaisseau d'un autre tube. Structure adaptative, ok, on était à la recherche de ça. Oh la vache. Oh! Caisse de crédit de la Galbanque. Ça, c'est bien ça. Burger synthétique. Ok. Plus 5000 balles dans la popoche. Bah là, en vrai, on est pas mal riche. Hein. En vrai. Ok. Bon, bah. Pas mal. Pas mal, pas mal. On a combien de. Ça va, 365 000 crédits, ça va. Parce que je veux pas, mais c'est vrai qu'on pourrait améliorer notre Twingo pour que ce soit une bête hein, quand même. C'est grand. Y'a rien du coup. Qu'est-ce qu'on a du coup? Là il y a de l'eau. Là-bas qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Là-bas on a un avant-poste. Là-bas on a rien. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Il t'a récupéré un maximum de tungstène. On va voir ce qu'il y a là-bas. Je suis pas centré en fait. Ah, ça va mieux. On entend des vaisseaux. Alors là.
Oh, du titane. Titane, on a besoin. 20 sources de... Ok. Je sais plus ce que c'était. Alors, on a du plomb. Tout là, on a du plomb. Bon, du plomb, on en a besoin aussi, mais du plomb, on en a sur Terre. Donc, en vrai... En fait, le seul truc qu'on pourra peut-être faire quand on agrandira notre base sur Terre, c'est peut-être trouver une mine de plomb dans le secteur où on est. Ah oui, je suis très très con. Très très con. Bah oui, forcément que j'ai de l'atout. Forcément. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un avant-poste? C'est un avant-poste gentil ou un avant-poste méchant? Et voilà, ça, géologie, c'est fait. Du coup, ça fait quoi, géologie niveau 1? Ouais, du coup, on a le rang 2 qui est disponible. Voilà, récolter davantage de retours. Ah oui, du coup, maintenant, oui, on récupère 2. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait ça la dernière fois. C'est vrai qu'on récupère 2 par bloc. Comme là, kit de soins, on utilise de matière de soins 20 fois et on peut passer. L'idée, ouais, de toute façon, c'est d'atteindre l'ingénierie d'avant-poste, en vrai. Combinaison spatiale. C'est une combinaison basique suffisante pour suivre dans le vide. Ah oui, donc ça, c'est pour pouvoir créer des armes et tout ça, c'est vrai. Si vous utilisez le scanner de vaisseau... Oui, c'est le meilleur opérateur capable de détecter certaines ressources planétaires aux informations des vaisseaux à proximité. Ah! Pourrait détecter les ressources non organiques rares à la surface des planètes et des lunes et obtenir des informations plus spécifiques sur les vaisseaux dans l'espace. Ah oui, parce que là on voit juste marqué vaisseau, mais on pourra avoir plus d'informations. Ah oui. Et astrodynamie, oui ça c'est pour augmenter la portée des astroportations. Ça, ça peut être bien en fin de jeu. Vous pouvez fabriquer des modes d'armes, donc là oui. Et ça, du coup, oui, ça, c'est pour construire des modules améliorés et effectuer des recherches au laboratoire. Recherche avancée, construction des modules d'avant-poste, on a désormais 50% de ressources en moins. Oh, waouh, ah oui. Ça, c'est bien. Projets spéciaux. Ah. Habitat planétaire. Vous pouvez construire des avant-postes sur des planètes soumises à des températures extrêmes. Donc ça, oui. Bon. Oui, donc du coup, c'est bien loin, en fait, qu'on puisse faire ça okay, sur des trucs. Là, on passe du coup à 8 le nombre d'avant-postes qu'on peut construire. Là, à 12. Et après, donc, du coup, c'est 16 avant-postes. Même si je suppose que, en hackant un peu le truc, on peut créer, on peut en créer plus. Parce que c'est ça le truc d'un jeu Bethesda, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir des mods qui vont me dire bah, c'est bon, on fait sauter la limite et puis c'est tout, quoi. Alors, ça, c'est bien. Ah oui, comme ça, ça t'évite de changer de réacteur, ça, t'as directement le truc. Oh, en vrai, il y a pas mal de trucs bien, là, dans science. Pas mal de trucs pas mal. Pas mal de trucs pas mal, oui, c'est vrai que... Beaucoup de choses pas mal. Alors, est-ce que c'est un truc allié, ennemi? Ennemi allié? Ah, mon potion scientifique, ok. Ok, ok. Du coup... Je préfère être sur le terrain que de bosser sur ma thèse. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a comme tableau, comme mission? Tuer la cible, le corsaire sur Japet. Corsaire pirate, 3000 balles. Ouf. Pas intéressant. Est-ce qu'il y a un vent... Je pensais que personne ne viendrait jamais aider. Mais vous voilà. Une énorme tempête s'est levée. Alors qu'on rentrait de mission d'approvisionnement, on était en plein dedans. On est tous partis le plus vite possible. À une exception près. Il a dû se blesser dans le chaos général. Il faut que vous le rameniez. Vous ferez ça pour nous? Oui, ne vous en faites pas, je retrouverai votre camarade. Oh, c'est génial. Merci. Bon, je m'y remets. Et il est où, du coup Il est là-bas. On va y aller.
Sans pendant ce temps-là, on va miner un petit peu. Là, on a un truc de plomb. Après, c'est vrai que oui, si on veut une mine de plomb... Mais bon. Là, il n'y a pas de mine de tungstène, en fait. C'est ça, un peu le problème. Il y aurait une mine de tungstène, ça aurait été cool. Mais là... Mine de plomb... Titane. Titane, c'est bien. Ouais, par contre, on a que x2 tout ce qui est matériaux classiques, quoi. Wink. Wink. Quand je m'élève si haut dans le ciel, je suis libre comme une hirondelle. Mais il est là-bas en fait. Quand je m'élève si haut dans le ciel. Je suis libre comme une hirondelle. Du coup, je vais dire des conneries. Ce qui me fait partir par là, mais le point il est là-bas. Donc, je vais là-bas en fait. C'est là-bas à Chalanoré. Trouvez la personne disparue suivante. Zoologue de Reliant Robin. Ah oui, il y a une grotto. Ah mais qui dit grotte dit des trucs intéressants. De toute façon, tant qu'on n'est pas en surcharge, on pourra se TP au vaisseau. Donc en vrai, on perd pas trop de temps. Et du coup, on va faire ça. Petite quête vite fait, ça donnera un petit peu d'XP. Et après, on ira donc du coup sur l'autre planète pour récupérer principalement du cuivre. Ça, après, je pense que peut-être une mine de cuivre, ça peut être intéressant, en vrai. C'est à réfléchir. Mine de cuivre, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant. Le truc, c'est que j'ai pas les ressources. Faudrait peut-être qu'on récupère peut-être des ressources d'aluminium, etc. Et qu'on aille faire peut-être cette mine de cuivre. Et vu que ça serait dans le même système solaire, enfin ça serait dans le même système, on n'aurait pas besoin d'avoir le truc de transfert interplanétaire. Enfin inter. Même pas interplanétaire. Oh! Un gisement de tungstène! Ah mais là vous me prenez par les sentiments. Ah c'est un environnement extrême, j'avais oublié. Ah bah du coup il va falloir voir pour la planète d'à côté. Est-ce que c'est un environnement extrême ou pas? Parce que pour l'instant, on peut pas le faire. Parce que sinon, j'aurais placé le point de l'avant-poste et on l'aurait fait plus tard, quoi. Ce mine de tungstène, ça peut être hyper intéressant. Xuxuk. Grotto. Alors. Where is Jean-Michel? Ok. Ok. Oui. Ça n'a pas l'air trop grave. Ne bougez pas. Allez-y. La douleur pourra pas être pire. Je me sens... Oh, beaucoup... Je me sens... Merci. Je serais m'en venir la réponse.
Je me sens comme un demi-atomium qui aurait cruellement. Non, à qui on aurait cruellement donné la Life Millennium, je ne sais plus. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je me sens. Screaming of him. J'étais bloqué par un mur. T'es avec nous, Michel? Let's gang! C'est une mission d'escorte. Tan 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 tan. Est-ce que tu sais venir avec nous, Jean-Michel? 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 Au revoir! Au revoir! Je vous aimais! Je dois rentrer sur ma planète! Et là, donc. Quand je m'élève si haut, donc. Ah, et du coup, c'est là qu'ils me rejoignent, quoi. Ah bah, j'ai le temps. À la recherche du petit minerai du tungstène, génial. Pika paka poké poko poko po. Du plomb, pourquoi pas. Ah. En fait, tout ce qui est classique. Ah, ça c'est bien. Tout ce qui est classique, en fait, on va en avoir deux au lieu d'un. Et tout ce qui est plus rare, comme là le tungstène et le titane, ça sera toujours un, tant qu'on n'augmente pas du coup le truc. Voilà, du coup, du tungstène, on va en avoir plein en fait. On en a combien? Ressources. Tungstène 13, oh, bah, c'est parfait. On va finir cette quête là et on va partir pour le. Pour l'autre. L'autre planète pour récupérer du cuivre. Il nous en faut 6. Bon, si là, par, comme pour le tungstène, on en récupère 12, c'est suffisant. Vu que c'est pour nous faire un truc de stockage en. Pour le gaz. Donc pour l'hélium 3, ça peut être intéressant. Parce que du coup, l'idée, c'est comme ça, on va décharger l'hélium 3 qui est dans la plateforme de chargement. On va le mettre dans le truc à gaz. Et le truc à gaz va alimenter, comme je le disais, le générateur et la plateforme du coup de transport. Comme ça, du coup, au moins les deux sont alimentés et au moins on est tranquille. Et on verra bien si la planète à côté, c'est une planète qui est extrême. Si c'est une planète qui est extrême, du coup, on pourra pas mettre de mine de cuivre. Mais bon, on essaiera quand même d'en récupérer un maximum. Du plomb, non. Ah, là, j'en ai deux. On va récupérer du coup un peu plus de tungstène, vite fait. De toute façon, on va le déposer dans le vaisseau, le tungstène, pour être tranquille quand on va aller miner le cuivre. Ouais, j'avais pas rechargé mon arme depuis belle lurette, avec 3 balles. Hein. Bon. Après, on retourne au Twingo, et après... C'est parti, on vient d'où. Quoique même pas, on n'a même pas besoin de retourner au Twingo, on a juste besoin de utiliser le voyage rapide vu qu'on est on n'est pas chargé. Boing. C'est quand je suis dans les airs, du coup, il s'arrête. C'est il est dans les airs. Il va partir. Quoi? Il ne peut plus vous suivre? Non, je sais pas ce que c'était.
qui veut. Oui. On a une. Vous avez réussi. J'arrive pas à y croire. Oui, ok. D'accord. Andrea qui fait chou 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 chou. Il est où? Bah il est à 3 km derrière là. Vite, vite, les toilettes, les toilettes. Bonjour. Hello. Vous êtes là. Merci d'avoir sauvé notre camarade. Bah il est juste 3 km derrière en fait. C'est le mieux que je puisse faire. Prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous me donnez? 4000 balles. OK. I got it. Donc du coup, dans l'idée, on va aller voir Charon. On va aller voir Charon. Est-ce que j'ai suffisamment de place? Pas du tout. Alors, est-ce que je peux aller dans le... Oui, c'est là. Soute. Le Twingo. Donc, inventaire, voilà, c'est ça que je voulais. Ressources. Tungstène. Tout stocké. Titane, tout stocké. Les structures, on verra. Le nickel. On va stocker ce qu'on peut. Ça, c'est bon. Oui, ça, pareil. Ok. Ok. Alors, Charon, donc... Ok, environnement extrême. Ok, bon bah du coup ça, on l'aura dans le Fiacos. Bah on va les miner au pire ici. Et d'une gelée. D'une gelée de Charon donc. Le pire avec l'aspect du fait que je l'ai appelé Twingo, c'est que ça sera complètement con quand quand le comment dire, quand ce sera aussi gros que le pilar aux photos. Parce qu'on va faire un mix en fait entre le Prométhée et le pilar aux photons, donc ça n'aura vraiment plus du tout. La saveur d'une Twingo. Alors par contre, c'est bien beau qu'il y ait du cuivre, mais en fait, s'il n'y a pas de cristaux, ça m'embête. Enfin, de minéraux, ça m'embête, parce que là... Ah. Alors là, on a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un avant-poste? Sans doute. Donc c'est pareil, il y a les gens qui disent « Oui, il n'y a rien dans Starfield. » Bah là, typiquement... Là, typiquement, c'est pas une zone qui, normalement, il y a des... Il y a quelqu'un. Hein. Là, c'est pas une zone qui était affichée, c'est juste, je me suis arrêté là. Quand je m'élève si haut dans le ciel... Salut. Le fonce, Alphonse.
Waouh. Qu'est-ce qu'on a là? Viens là, come on. Come on, come on, turn your radio on. Tu peux pas me battre. Je vais te faire la peau. Oh, c'est pas mal avec... avec la gravité qui manque, lui. Bon, par contre, c'est bien pour récupérer des crédits, tout ça, mais le problème, c'est que ça m'aide pas en termes de... de... comment dire... de minerai. Ah, le soleil, bonjour. Là, ok, il y a du cuivre, mais bon. Ils n'ont jamais de minerai sur eux, de toute façon. Ah là-bas, il y a un truc. Là, on a eu rien, en fait. En termes de cuivre, là, pas grand-chose. Hein. Tenue agricole, d'accord. Poignée de tout, je crois qu'on en a besoin, ça, non? On peut les construire, donc je crois qu'on en a besoin. Le soleil, quoi. Soleil. Du cuivre, s'il vous plaît. J'ai besoin de cristaux de cuivre, du minerai de cuivre, s'il vous plaît. Parce que là, on s'emmerde. Hein. Un point inconnu, d'accord. Pas grand chose, hein. C'est pas qu'on se fait chier, mais presque. Alors en réalité, vu qu'il n'y a pas grand chose, est-ce que ça vaut le coup de rester là? On va peut-être aller voir sur une autre planète en vrai. Hein. Vénus, du nickel, du plomb, du cobalt, non. Uranus? Du plomb là-dedans. De l'argon. Ici de l'argent, mais l'argent on s'en fiche. Du nickel et du plomb, non. Ah, de l'eau et du cuivre. Eh ben on va essayer Titania, tiens. Essayons Titania. Ah, bonjour. J'aimerais en fait avoir ce truc là. Bon, bien. Biou, biou. On a coincé ces enfoirés. Seraclure et cette collecte est trop tôt. Vous avez pas pu vous en empêcher. Heureusement que vous êtes en vie. Parce que la prime sur votre tête augmente avec les années. Alors on voudrait pas que ça s'arrête. Ah. Ah, donc pas si différent de mes agresseurs. Nous, on est différents. On a de l'ambition. Alors veillez à rester bien en vie jusqu'au moment où il y aura assez pour prendre notre retraite, ok? Bisous. Ok.
Petit salaud. Qu'est-ce qu'ils avaient sur leur carcasse du coup? Du coup, ce canon titanien, environnement hostile, oui, ça on s'en doutait un petit peu. Donc, théoriquement, il y a du cuivre, l'eau c'est du métal lourd, température glaciale. Ah, est-ce que ça va faire pareil ou en fait il y a du cuivre, mais vu que c'est de la glace, ça va être chiant. Parce que là, c'est pareil en fait. Non, il faudrait en fait une planète où on ait du cuivre, mais que ce soit plus proche du soleil. Là on a du fer, là on a du chlore, Jupiter il n'y a que dalle, Europe c'est du chlore. L'étude évidemment c'est trop loin aussi quoi. Mercure, ouais c'était de l'aluminium sur Mercure. Là il faut vraiment qu'on ait du cuivre. Est-ce que sinon sur Alpha du Centaure il y a une planète avec du cuivre? Au pire, attendez une petite seconde. À Crix, vu qu'il faut qu'on y aille. Est-ce qu'il n'y a pas une planète avec du cuivre Suvorov est gelé, mais en vrai, ça peut aller. Au pire, essayons. Peut-être un endroit, là on a un site de crash. Ah, ça passe vers un itinéraire inexploré. Et non, mais d'accord, c'est... Ça c'est où je suis, donc je m'en fous. Comment ça j'ai pas exploré? On passe par Crix, il n'y a pas de souci normalement. Et voilà, je sais pas. Pourquoi il... Je sais pas où est-ce qu'il me faisait passer. Et let's go. Vu qu'on doit aller là-bas, autant le faire aussi. Alors, est-ce que je peux m'amarrer et y aller? Où est-ce que ça bug encore? Ça bug encore. Bon, on va pas le faire alors. Du coup, on le fera plus tard. Parce que la clé est buggée sur ma partie. Du coup, je suis obligé de me TP à divers personnages pour que ça marche. Donc, au pire, on fera ça plus tard. Alors, du coup, allons donc du coup sur le site du crash. Et allons voir si on peut pas récupérer du cuivre. Hull critical. Jamais de voir de tels endroits. Ah bah oui, ça c'est... Alors, si du crash, bon, allons voir. Tige glaçonne cinglante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là-bas, il y a un autre point d'intérêt. Oh! Oui, il y a une, il y a de la gravité sur cette planète. J'avais oublié ce détail. Ah, on a du cuivre. Ça c'est bien. Oh, c'est encore un vaisseau de connard.
Ah super, j'ai gagné les engelures, super. Voilà. Ah oui, c'est encore vraiment un site de crash comme on avait vu tout à l'heure, ok. Il n'y a pas tout de la galbanque ici. Oh, la laitue. Ah ouais, lui il est par contre décevant le site de crash. Par contre lui il est décevant. Bon par contre on a du minerai de cuivre en veux-tu en voilà. Enfin des... bien enfoui en fait. Mais on n'a pas de... de petits minerais. Ça par contre c'est un peu embêtant. Du coup, il est pas très intéressant comme site de crash. On va essayer de monter cette montagne. Il y a un point intéressant. Ah, le soleil se lève. Pas le soleil. L'étoile se lève. Ennemi. Alors, ennemi, oui, mais il faut que je les scanne. Vous pouvez me laisser vous scanner? Non. Nutriments carapace. Pas si ça aide. Alors le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il fait toujours moins 53. Alors est-ce qu'il faut attendre un petit peu que ça... que le soleil, que l'étoile on va dire se lève pour que... la température augmente? Ah oui. Non mais... Ouais, c'est toujours moins 53, c'est bizarre. Allez, scan 100%. Voilà. Élément écologique inexploré. Mais... là, il y a tout un tas de trucs de cuivre, mais bon. On va pas faire notre truc ici, quoi. Va geler. Ok. Soulèvement d'une couche de fossiles. Ok. Du coup, bon. Écosystème gelé. Sans deck. Ah, j'aurais jamais su. Ni basse. Oh! Ah mais ni basse, cuivre, nickel, fer, uranium.
Bah, let's go. Let's go. Il n'y a pas de point où on peut... Ah si, zone d'atterrissage explorée. Ah, on avait déjà atterri ici. Pour du nickel. Ah. Ah. On avait déjà atterri ici pour du nickel. D'accord. Et bon, on va atterrir là alors. Colline gelée, 0%. Ah mais c'est moi où le cuivre c'est toujours dans des points chiants. Dans les points où il y a de la glace. En fait, si je veux faire comme le Pillar of Autumn... Il faudrait que je garde quand même l'armement devant et que je fasse monter la Twingo au-dessus. Et que je fasse monter tout ça au-dessus. T'as encore un vaisseau de connard. Ah, un truc warning là-haut. Pourquoi putain de pas ? Faut voir la carte de la surface. Là, j'ai un truc warning ici. Ok, j'ai rien de plus. Oh, de l'or! Let's go! Non. Ah oui, ok. Filon d'or ici. Pardon. Cassons-nous. Un sac de tempérament intrépide. D'accord. Géophage. Cobalt. Il y a sur un filon d'or. Et ils sont cons en fait. Bon, après, peut-être que dans le futur, il n'y a plus vraiment de. Comment dire. De trucs avec l'or. Mais en vrai, ils sont un peu cons là. La flotte écarlate. Ils avaient littéralement. Ça me fait peur, toi. Ils avaient littéralement un truc de... d'or, en fait. Une planète avec des filons d'or juste à côté, quoi. Champ de fumerole. Le fossé d'effondrement se sépare en ouvrant des fissures permettant au gaz chaud et à la vapeur de se passer. Il y a des tas d'excréments. Alors, quand il y a du caca, il faut regarder la taille du caca. Et là, on voit que le caca est vachement gros. Donc, qui dit qu'il y a du gros caca? Qui dit qu'il y a du gros caca, dit qu'il y a une grosse bestiole. Ah oui, c'est le fameux vaisseau là-bas. Voilà, on a du cobalt, on va dire, sous éléments minéral, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on aimerait avoir du cuivre. J'en ai pas beaucoup de cuivre, on est bien d'accord. Bah, j'ai juste suffisamment, quoi, en fait.
Il m'embête un peu, j'aurais bien aimé en avoir plus. Du plutonium. Pourquoi pas. Là-bas j'ai de l'or. On va en récupérer un petit peu parce que l'or ça doit être très intéressant plus tard. J'ai pas envie de m'embarquer trop loin non plus. Là on a de l'eau. L'eau je l'avais scannée déjà. Non. Là, évidemment le nickel. Le nickel c'est cool. Bah oui, forcément, t'as le site d'atterrissage de l'autre connard. Cobalt. Cobalt et quoi? Et or. Là-bas, c'est quoi? C'est que de l'or, du coup. Ah, on s'est arrêté à un endroit où il est censé avoir du cuivre. On vous retrouve avec du fer et de l'or, quoi. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? De l'or encore? Ah bah c'est de l'or. Oh là, nickel, cuivre, uranium, j'ai cru voir. Qu'est-ce que j'ai pas encore récupéré? Ah, j'ai pas récupéré de cuivre tout court. Ah oui. Ah bah merde alors. Je pars pour ça et j'en ai vraiment pas trouvé ici quoi. Ok. Alors, en tout cas, si je veux, bon, si je m'en souviens, mais si je veux faire une mine d'or quelque part, elle sera ici. Hein. Là-bas, c'est du fer. Ah, le fer, en fait, ça sert à rien que je le mine, parce que le fer, j'en ai déjà plein. J'ai une mine de fer, donc de toute façon. Uranium. Bon, uranium, ça dépend si on peut faire des trucs radioactifs à la fin, quoi. Si on peut faire une centrale nucléaire, ok, mais sinon, du nickel, pourquoi pas, on en cherche. En fait, je devrais plus mettre qu'on cherche de l'aluminium parce qu'en vrai, l'aluminium, on n'en cherche plus et du fer non plus. Je devrais désactiver le suivi de l'aluminium. Plutonium, pourquoi pas. Cobalt, cobalt, pourquoi pas, parce que ça peut toujours servir. Alors là, on a une zone de cuivre. Bah en vrai, le jour où on devrait faire une mine, parce que là, ok, du cuivre. C'est bon, on a tout. On a toutes les ressources. Ah, on est surchargé. Bon, bah retournons au vaisseau. On a juste suffisamment de cuivre pour faire bah du coup notre truc. Du coup, on va faire ça tout de suite. L'intérêt, c'est d'avoir comme ça le générateur en fait qui tourne pour pouvoir du coup avoir plus d'énergie et faire bah, du coup les tourelles qu'on a besoin, alimenter toutes les tourelles et on verra bien. Mais l'idée là, ouais, ça serait de refaire des présentoirs, de refaire plein de trucs, de refaire des coffres. Ça, c'est déjà un truc qu'il faudrait faire. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout bien se protéger et pouvoir stocker durablement le fer et l'aluminium. Là, on va faire le truc du gaz, donc pour l'hélium. Si on a assez pour faire un truc de stockage solide, on fera le stockage du coup de l'aluminium. Et comme ça, ce sera très bien, on aura... Aïe. On aura du coup le truc de stockage. Il me dit que... Non, c'est parce qu'il y avait un truc. On va y aller tranquillement.
là, notre Twingo. Après, le problème, c'est qu'il faudra peut-être changer de design. C'est dommage. Ah, mais oui, mais c'est ça qui fait du bruit. Je crois que ça tape contre le truc quand ça s'ouvre. C'est ça qu'on entend, là, un gros bang. C'est parce que ça doit taper sur le... Ça doit taper sur le cockpit.